suis moto, bonsoir, il est, bon, soyez bali, bien sûr, vous allez à mon Congo, d'accord, suis moto, bonsoir, il bon, jusqu'à Mbamba, tout le temps dans le studio, je t'ai déjà expliqué ça la fois dernière, la conférence de presse. Ariel n'a pas pu me mettre un studio à récent, pour pouvoir me venir faire son travail, accompagné de ce monsieur. Et vite fait, ils se sont intéressés à mon disque, et voilà, tout est parti de là avec jusqu'à Mbamba, j'ai fini le mix jusqu'au mastering. Et ça prête jusqu'à le vent, relais. Jusqu'à Bim Saba CD, fiche au niveau à Paris, au niveau à l'Afrique. Voilà. Alors, l'album est sur le marché du disque maintenant. Comment vous allez vivre votre orchestre? C'est vrai que l'album est sur le marché du disque. Est-ce que vous avez des contrats de spectacle? Vous avez des contrats? Mais ça fait partie également de la vie d'artiste. Comment vous avez vécu? C'est vrai que l'album est sur le marché, il faut l'accompagner. Mais oui, il faut l'accompagner maintenant. C'est à vous, les chroniqueurs de la musique congolaise, de nous aider. C'est ça ce problème que je déplore tous les jours. Et surtout que nous sommes dans un pays où il n'y a pas de sponsor. Il faut pleurer tous les jours. Il faut crier au effort pour avoir un sponsor. L'album sort, c'est bien beau. Mais il faut avoir l'accompagnement, comme tu le dis. L'accompagnement, c'est quoi? C'est des concerts qu'il faut jouer. Mais jouer les concerts, un artiste aujourd'hui ne peut pas organiser un concert parce qu'un concert coûte très cher. En passant, j'étais informé, je croyais à 3 jours, c'est là que j'ai un concert acoustique. Et c'est à Sénère TV qui demandera aussi des sponsors. Mais non, au cas où il n'y a pas de sponsor, en tant qu'artiste, je serai obligé de mettre les mains dans la poche pour que ce concert soit une réussite. Je joue le 14 février à Sénère TV, un concert acoustique. Donc, c'est dit que, pour le moment, je vais essayer d'écrire au sponsor de la place. Celui qui répond, je dirais Dieu merci. Mais je sais que j'ai confiance à Brasco. Il va répondre parce que, en passant, je salue M. Samba, le meilleur vœu, hein, qui est un frère qui a aidé que ma musicien pour l'aime moi. Et le Farel a déjà fait passer son sponsoring directement. Le sponsoring est passé directement. En passant, en signalant également que Frasco, c'est le sponsor de l'émission Tamtam. Ah, très bien. Je suis très content que Brasco soit le sponsor de l'émission Tamtam, mais Brasco, ton côté 2011, s'il vous plaît, Toza est payé. Toza n'a pas rebelle. Toza n'a pas patrie des stars. La petite nana qui est même moi de Ninga. Toza n'a pas extra musica. Toza n'a pas patrie des stars. Toza n'a pas femela, c'est la petite nana. Universal Zangoul. Toza, monsieur Belete. Brasco, Maloyo, ma disque à moi est la Nami. Mais souhait n'est pas venu là, s'il te plaît mon frère. Tu gagnes moi un message, oui. Brasco. Prends un cas Brasco. Oui. Brasco, n'a Brasco et un team. Parce que plusieurs fois, vous le voyez que nous avons toujours, la terre a toujours notre exemple en face. Parce que ce qu'on mange bien, il y a tout, il y a mort. Il y a eu la massama. Massama, il y a Brasco, il y a Brasco, il y a Brasco. Mais la scène là-bas en 2011, quand tu as les bilans, on a vu là, il y a musique, ce que quoi là, il y a orchestre avec quelqu'un là. Non, pas ça n'est face dans ma grande coupe à Plaza Ville. Monsieur Samba, là vous s'adressez plus particulièrement à eux. L'esprit a bien, la nègre a bien. Au nom des artistes congolais, on a surtout ma meilleure vœu. Mais Mbaloyou, Tala Nenge va dire que tout, et la Namba, grand groupe caca. Le souhait n'a pas, et a dit que tout le monde a chaque samedi, hein Benoît, vraiment, puis nous parlons au samedi. Tout le monde a chaque samedi, t'as plus de stars, il peut être à la tête place, sponsor Brasco. Pérestra Mosego peut être à la tête place, sponsor Brasco. Javier Fevela, c'est peut-être à telle place, sponsor Brasco. Pas tous les stars, c'est à telle place, le sponsor Brasco. Rebelle, Robert, non, tu sais qu'il y a là, mon frère, pour le baraque, il y a la défense de l'artiste. Parce que la fois dernière, il y a attaqué, il y a la confort de poste, il y a dit, je suis la grande gueule. Oui, grande gueule, il y a la lobraquilité. Mais je défends la musique congolaise parce que nous souffrons par manque de sponsors. Je lance encore un appel que Edo Farel, avec les fonds, a un concert acoustique. Le 14 février, à la grande salle de spectacle de Sénère TV. Mais, la Sénère, dans ma société, tout, il y a comment. Ma téléphone, tout ça qui est utilisé. Pas plus, c'est les abanins. Moi, j'ai MTN ici. J'ai Zen ici. Airtel aujourd'hui. Mais, Mikana, la personne, ton comara, tous les jours dans ma société, la réponse est à la caté. Mais, ce qui est à Lingambo, bah, milieu et milieu. Non, mais non, ça c'est votre boulot.
Nakatiote, hein? Ah oui. Ce que les gens ont mis bien. Toutes ces sociétés, les sociétés de la place, ce que les gens ont mis là, bien. Mais plus ça, moi, tu dis que ma disque, les gens m'ont bêté. Tu n'as pas eu tout le cas. Serge Makwala, les gens m'ont bêté. Non. Serge Makwala, c'est un particulier. C'est normal. Ah, mais. Il y a la musique à Congolais et il y a la musique à Mokoye vivre. Oui. Est-ce que Serge Makwala a dit Mbabé? Je crois pas. Tonton partout, ils ont dit Mbabé? Je crois pas. Et pas qu'à. Et pas qu'à. Ils ont dit Mbabé? Je crois pas. Hein, mon frère? C'est-à-dire que, pourquoi ton humanité? Pourquoi? Attends, Benoît. Comment se fait-il que Bissot va me dire Mbokoye? Le téléphone de Bissot Mbokoye? Et ça, il y a ma société, il y a ma Masamato Melaka. Et ça, et ça, la mienne. Le temps, c'est le temps de me dire, mes chefs, ils vont couper l'émission. Non, d'accord, mon frère. Donc, ça, tu peux pas réclamer la télévision, c'est la télévision. Donc, quand ça arrivera à 30, ils vont couper. On a compris ton message, nos amis sponsors. C'est quelque chose qu'on a déjà dit, on le dit toujours. Je ne sais pas quelle est la lutte qu'on devra faire pour que nos sponsors comprennent qu'ils doivent également jeter un peu d'argent parce qu'on va considérer que c'est jeté. Alors, j'espère comment on va faire pour que ces sponsors-là jettent également un peu d'argent dans la musique congolaise. C'est tout un débat, les deux Farrell. On reviendra sur ça. Les deux Farrell, on va pas te garder plus parce que j'ai encore deux invités. Hein. Je vais te remercier d'être passé. Venez avec. Faites passer comme ça. Voilà, comme ça, on est dans des conditions du direct. Comme ça, ça va. Ça va. Donc, le CD de Edo Farrell qui est sur le marché du disque, c'est Examen d'État. Il est là. Hein? Gladys, si elle peut nous faire un gros plan sur Examen d'État. Si vous voyez ce CD, c'est Edo Farrell. Hein? Donc, acheter cet album, c'est déjà le point de départ. Donc, d'aider les musiciens congolais, c'est d'abord d'acheter les CD. Et le reste, merci beaucoup, Edo Farrell, d'être passé dans l'émission. C'est un grand débat. Moi, j'aime beaucoup quand tu es à l'émission, parce qu'avec toi, on discute, on débat beaucoup. Merci beaucoup, Edo Farrell, d'être passé. Merci, mon frère Benoît. Et en passant, Je souhaite mes meilleurs voeux à toutes mes connaissances. Bon, Balingaké de Farrell, meilleurs voeux. À Neuez, à l'année, et à prospérité, santé, à bien. Il faut prendre tout le monde dans nos jambons, on t'est idée d'avoir un bon moment. D'accord, les camotés, et puis moins de problèmes. Et en passant, je souhaite encore mes meilleurs voeux à tous les leaders de la musique congolaise. Bandekonama. Je suis un confort de force dans ma tête, Ali Misama. Je remercie à tous les leaders de la musique congolaise, à tous les chroniqueurs de la musique congolaise et à tous les mécènes. Hein, c'est ça qu'on dit. Hein? Edo Farrell a souhaité que nous avons le Tokutana, le cancer Edo Farrell, cancer acoustique, Malali Bosso, Nako Meka, cancer acoustique, la Sénat TV le 14 février. Et puis, album examen d'État, et lui est déjà sur le marché. Merci beaucoup Edo Farrell. Merci beaucoup, vous retrouvez en gros. Et voilà quoi. Merci beaucoup Edo Farrell. Merci Benoît. Ton salaire acoustique, la télé Congo, ça devient une mode. On est content de lancer, moi, concept la télé Congo, c'est bien. Continuer la carte de concept d'amour. Suivant donc le tweet de Edo Farrell, le temps de permettre à nos invités de passer sur ce plateau. Merci beaucoup Edo. Merci. Edo Farrell que nous avons reçu. Je vais encore le recevoir parce que le débat qu'on a eu avec Edo Farrell, c'est un débat crucial. On reviendra sur ce sujet-là avec Edo Farrell et les musiciens qui voudront également participer. Alors Zizou, Favela Star, bonjour Zizou. Bonjour. Comment ça va, Ndeni? Bien, on a profité pour la paix à la meilleure ville, la Congolais, puisque tous les gens qui ont été à Dakar. Zarina Dakar, et puis bon, tout le monde qui représente le Congo dans le Festival mondial des arts nègres, pour que ce soit un véritable nègre, il y a Congo. Ouais. Donc,
festival on est reconnaîtra qui c'est même surtout que représenter donc on a profité un peu ça ma mère vient à congolais nous et puis autorité nous en boca vraiment merci alors donc au même moment même image à festival en et les gars les gars qui pendent ils vont se retrouver dans le festival là ben on va éviter bien non c'est que bisous moni bisous tous ceux qui va parcourir mingi c'est que mon kili ils vont s'en aller passer. Hein? Et bien, mon Au festival des arts nègres au Sénégal. Merci.